Bonjour et bienvenue du coup pour ce second webinaire du MOOC Conception Permaculture de l'Université des Colibris. Voilà, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. On est déjà plus de 130 ensemble et ce soir nous sommes donc chez Claire Véret que je vais laisser se présenter dans un instant. Et donc voilà, donc on est aujourd'hui dans ce MOOC après l'éthique et les principes et juste avant l'ouverture des prochains modules demain sur le design et les savoirs techniques. Nous avons souhaité être chez Claire et Gildas, donc deux des intervenants principaux de ce MOOC, sur leur lieu. Donc on a la chance d'être avec eux ce soir et avec vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez interagir. Moi je suis, vous verrez peut-être parfois, je regarde un peu en bas, c'est tout simplement parce que je suis avec vous sur le chat. Donc par exemple, on peut saluer Mathieu, Aurélie, Julie, Marie, voilà. Et bonsoir à tous. Et qu'est-ce que j'ai envie de rajouter avant ça? Bon, ça va bien. Voilà, je vais respirer aussi. Ouais. Voilà. Claire, merci déjà de nous accueillir chez vous. Pas de souci, avec plaisir. Et donc, je suppose que la plupart des gens qui sont avec nous ce soir t'ont déjà vu dans certaines vidéos du MOOC. Mais voilà, peut-être tu peux te présenter un peu et quel est ce lieu sur lequel vous êtes? Ok, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je ne vais pas forcément me présenter de manière très classique, je n'avais pas envie ce soir, mais vous pourrez me poser des questions si vous voulez. J'avais plutôt envie, quand Yann m'a dit « présente-toi », de dire que je me sentais vraiment issue d'une transformation, d'une transition qui s'est opérée il y a 8 ans, un peu par hasard. Et je crois que ça doit parler à un certain nombre d'entre vous qui sont en train de traverser ça ou chez qui ça démange, cette transition. En 8 ans, je suis devenue quelqu'un qui utilise déjà beaucoup plus son corps, qui suit beaucoup plus souvent dehors, qui a appris à observer la nature, ce qui n'était pas vraiment mon cas avant, qui a appris beaucoup de choses. Je suis épanouie parce que je vis en fonction de valeurs que j'ai trouvées aussi. J'en avais certaines, puis il y en a d'autres que j'ai trouvées en chemin sur cette transition. Et puis j'habite ici, à Lussot-sur-Loire, avec ma famille. Donc, autour de vous, en tout cas autour de nous, il y a de la forêt, il y a des prairies et il y a aussi des voisins. Voilà, pour nous, c'était vraiment important d'avoir la ville et la campagne dans notre vie. Parce qu'on veut construire un lieu permaculturel, ce qu'on est en train de faire, et on veut aussi transmettre et accueillir des gens qui sont en transition. Je ne vais pas forcément être plus longue tout de suite, mais voilà. Très bien, ouais. Et quand on préparait le webinaire, on s'est dit aussi, tu avais envie d'aborder la permaculture sous un aspect qu'on aborde peu souvent, c'est celui de la joie. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est tous dans des phases de transition. Certains sont déjà très avancés, d'autres sont encore dans la phase de l'idée et de se poser des questions. Et tu me disais justement que pour toi, depuis que tu as attaqué tous ces changements-là, ça a été quelque chose quand même où tu retiens vraiment cette joie qui t'accompagne souvent. Moi, quand j'ai découvert la permaculture, il y a deux choses qui m'ont plu. Une qui s'est révélée fausse finalement et une qui est toujours très pertinente. La première, c'était l'image du hamac. Je sais pas pourquoi, je sais pas, vous avez peut-être croisé vous aussi. L'idée que le permaculteur avait de l'abondance autour de lui avec un hamac, enfin en restant dans son hamac tranquillou. Alors, ça, non, hein. On peut créer de l'abondance, mais pas en restant dans un hamac. On a quand même installé un hamac, mais on y va quand même pas si souvent que ça. Et le deuxième chose que j'ai découvert dans la perma qui m'a tout de suite parler, c'est un principe de David Holmgren, le plus petit effort, pour le plus grand changement. Et d'où la joie. Je vais revenir à justement cette question sur la joie. Faire le plus petit effort pour le plus grand changement, ça veut dire justement qu'une fois que j'ai pris conscience de tous les effets un peu délétères de l'humain sur la planète, se dire qu'on peut faire le plus petit effort pour le plus grand changement, c'est quand même... On se dit ok, donc commençons, allons-y. Et donc j'ai réfléchi à ce qui était pour moi le plus petit effort dans ma vie pour que ça ait quand même un grand impact et sur ma vie et sur les autres et sur la nature et le vivant. Et donc c'est là en fait que tout devient joyeux. C'est que tous les pas que j'ai faits, je me suis fixé un peu une discipline. Après, je suis assez disciplinée comme personne. C'est-à-dire une décision par mois sur mon chemin de transition. Et je partais toujours du truc le plus simple pour moi. Par exemple, alors c'est peut-être pas forcément ce qui est simple pour vous, hein, mais moi ce qui était simple c'était arrêter l'avion. Voilà, pourtant je prenais l'avion tous les ans, je voyageais,
Mais ça m'a pas paru compliqué d'arrêter l'avion parce qu'on peut voyager en France, parce que ça m'a permis de passer plus de temps avec mes amis en France, de découvrir voilà, des lieux que je connaissais pas. J'ai décidé de manger bio. Alors comme j'habite à Paris, mais finalement partout on peut manger bio très facilement aujourd'hui en France, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment pas très très compliqué. Bio et de saison. Voilà, en étant voilà, en ayant un budget pourtant fou, donc ça c'était très facile aussi. J'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, même si maintenant j'en remange un petit peu, mais ça on parlera de nos brebis peut-être plus tard qui sont sur notre terrain. Voilà, donc le plus petit effort pour le plus grand changement, c'est ce qui m'a mise en joie, et aussi la créativité. La permaculture, elle amène vraiment à la créativité, et du coup, bah, se dire voilà, il y a un problème, c'est la solution. Et je peux l'aborder de manière créative. Et là, moi qui ai un petit côté artiste, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas tous un côté artiste ? J'imagine que parmi vous, il y en a qui aiment écrire, peut-être faire de la musique, danser, peindre. Bah, vous pouvez utiliser ce côté créatif justement pour trouver des solutions. Et la permaculture, elle invite à ça. Et donc ça, ça me met en joie. Voilà, il y a plein d'autres choses qui me mettent en joie. Mais... Super. Mais c'est... Je trouve ça vraiment riche. J'aime bien cette idée justement des petits pas. C'est vrai que moi, ça a été au départ vraiment quelque chose qui me questionnait et j'avais le sentiment, j'étais aussi dans un appart à Paris et j'avais vraiment le sentiment que quelque part, je faisais pas assez aussi. Et je trouve ça assez, quelque part, déculpabilisant de se dire, bah, finalement, j'étais déjà en chemin à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, je vous invite, voilà, si vous avez déjà des questions que vous avez envie de poser sur son lieu, sur la manière dont elle s'y est prise, sur là où elle en est aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des questions, Cyril, ou... Non, on n'a pas encore de questions pour l'instant. Les gens arrivent tout doucement, et puis je pense que ça va se faire. D'accord. Alors, bah, moi, j'en ai une, du coup. Tu nous as parlé de tes brebis. Oui. Du coup, c'est... Voilà, j'ai envie de... Dis-moi. C'est vrai que pour une végétarienne, c'est un peu bizarre. Alors, dans ce lieu, imaginez que derrière moi, il y a une forêt, c'est la forêt d'Amboise, qui s'étend sur des kilomètres. Et avant cette forêt, il y a une clairière. C'est pour ça qu'on a mis une maison. Enfin, il y avait la maison, hein. on ne l'a pas construite, mais il y avait une maison entourée d'une clairière. Et donc nous, évidemment, on a besoin de maintenir cette clairière, tout simplement parce que le sud, c'est là où vous regardez, c'est derrière moi. Là où il y a la forêt. Et donc la clairière permet d'avoir une trouée, d'avoir du soleil. Et donc pour nous, évidemment, les permaculteurs, le soleil, c'est... l'énergie à partir de laquelle tout le vivant se fait, donc tout ce que je produis vient du soleil. Donc, besoin de préserver la clairière, et besoin également de ne pas du tout utiliser de tondeuse à gazon, parce que c'est du pétrole, parce que c'est pas très très rigolo de passer la tondeuse à gazon, et puis parce que c'est grand quand même, une prairie qui fait bien 2000 ou 3000 mètres carrés derrière nous. Donc du coup, bah, éco-pâturage devenait assez évident, donc on a trouvé des brebis chez un agriculteur bio de race assez ancienne, qu'on a fait pâturer en rotation pour préserver aussi la prairie. C'est important parce que des animaux peuvent aussi abîmer une prairie. Or, nous, on a besoin aussi que le sol puisse continuer à infiltrer l'eau. Ça, c'est super important. On est dans un petit creux de vallon, là, en fait. Donc, du coup, on peut avoir aussi des petits risques d'inondation. Donc, du coup, on fait pâturer des brebis en rotation sur 4 parcelles. On les fait bouger à peu près tous les 8 jours. Mais, en fait, j'ai un peu utilisé le passé sur les brebis. Parce que les brebis ne sont plus. Voilà, donc on a eu des brebis pendant un an et demi, mais on va en avoir de nouveau. Je vais vous expliquer la stratégie. On a eu des brebis pendant un an et demi. On a pris des agneaux en avril 2016, qui se sont bien plus chez nous. On a probablement été un petit peu trop sympa avec elles d'ailleurs. On les a vachement gâtées. Et puis est passé l'hiver. L'hiver, c'est un petit peu compliqué avec des animaux. Il n'y a plus trop d'herbe fraîche. Le foin, ils n'aimaient pas trop. On a quand même passé l'hiver. Et puis le printemps suivant est arrivé et voilà, et on a enchaîné avec l'éco-pâturage. Mais en fait, notre objectif, c'est quand même de produire de la nourriture. Et en plus, c'est assez marrant parce que sur ce lieu, on a un petit peu la France en miniature. C'est-à-dire que chaque Français, enfin chaque foyer de 2-3 personnes a à peu près 1 hectare de terre en France disponible, si on divise tout simplement le nombre de terres par le nombre d'habitants en France. Et ça correspond à peu près aussi à ce qu'on a chez nous en termes de proportion forêt-prairie. C'est-à-dire que nous, on a un gros tiers de forêt, un gros tiers de terres agricoles, et puis voilà, après le chemin, la maison, un peu d'urbanisation. Donc finalement, on a un peu la France en miniature. Donc ça nous intéresse de voir qu'est-ce qu'on peut produire en tant que nourriture sur ce terrain. Le but, c'est pas d'être autarcique, de pas faire de l'autonomie à 100%, mais quand même de voir ce qu'on peut produire. Et chez nous, les animaux, ils ont toute leur place, et eh ben, manger les animaux, ça a du sens... pour produire de la nourriture sur ce terrain. Désolée si j'en choque certains. Donc nous avons tué les brebis en novembre dernier, le plus respectueusement possible. Nous les avons partagées avec des amis,
Et nous avons valorisé tous les produits des brebis, dont une peau de brebis qui est là à mes pieds, que nous avons tannée à la main. Voilà, donc pour moi qui étais végétarienne 8 ans, c'est une grande réflexion. Donc s'il y a une question sur la place des animaux dans un système permaculturel, et je peux déjà juste quand même citer Bill Mollison, la permaculture c'est pas du tout dogmatique. Ça je crois que c'est hyper important de se le dire, et c'est aussi ça qui me plaît dans la permaculture, c'est qu'elle nous pousse à réfléchir. Elle nous dit pas pense ceci ou pense ça. Elle nous dit réfléchis. Réfléchis avec ta conscience. Fais les choses consciencieusement. Et Bill Mollison, il explique qu'il y a des paysages où c'est l'animal qui est la culture agricole la plus adaptée. Dans les montagnes, si on met de la céréale, c'est juste pas possible. C'est pas adapté, c'est trop pentu, c'est des sols peut-être pas assez intéressants, c'est souvent humide, etc. Donc c'est pas possible pour la céréale. Donc l'animal a toute sa place. Donc il y a des zones, chez nous la clairière c'est typiquement ça, les animaux on les met dans une zone trop ombragée pour faire des céréales ou des légumes, on peut mettre que des animaux, donc ça a du sens de mettre des animaux en permaculture, et après voilà, les animaux rendent aussi d'autres services sur le terrain, donc je dis éco-pâturage, agrément, c'est toujours sympa d'avoir des animaux, nourriture, et oui, voilà, fourrure, vêtements, chaussures, la graisse, ça peut servir ensuite à graisser les outils pendant des années. Voilà, donc l'animal a sa place dans notre système. J'espère que tout le monde ne va pas partir à ce stade-là. Non, j'ai pas l'impression que tout le monde part, puisqu'il y a encore voilà, beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Donc on peut saluer Bérangère, Marie, Christelle. Et voilà, et donc surtout, voilà, n'hésitez pas à faire réagir, à faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos surprises. C'est vrai que moi, la première fois que je suis venu chez vous, je ne m'attendais vraiment pas à tomber. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait changer la vision des choses par rapport justement à la place de l'animal. Et je dois avouer que j'étais végétarien et du coup, je ne suis plus tout à fait, même si je n'ai pas encore de brebis sur mon terrain. Mais bon, ça... voilà, attention, on peut être végétarien. C'est juste que j'avais lu aussi un article qui expliquait qu'en Australie, et en Nouvelle-Zélande, où ils cultivent, enfin voilà, ils ont beaucoup de moutons de manière très extensive. Hein. Nous, ici, sur quasiment un hectare, on a deux brebis, donc c'est vraiment de l'extensif, hein, c'est nourri qu'à l'herbe, etc. Ils ont converti pas mal de zones qui étaient de l'élevage extensif en céréales, et là, ça a détruit les sols parce qu'ils ont mis pesticides, tracteurs, etc. Donc, les solutions sont souvent complexes, et en fait, ça ne veut pas dire que sur votre terrain, il faut forcément des animaux, ou en tout cas des brebis. Mais c'est juste que la permaculture, c'est des principes et une éthique, et ensuite appliquée à votre territoire. On peut avoir un impact plus néfaste sur l'environnement sans manger de viande. Donc par exemple, parce qu'on a besoin d'avoir nos protéines complètes en achetant beaucoup de quinoa ou de soja qui vient d'ailleurs, qui est d'ailleurs cultivé même en bio, mais de manière pas très respectueuse de l'environnement. Finalement, manger de la viande une fois par mois, comme nous on le fait, d'animaux qui ont été nourris à l'herbe, qui ont voilà, été respectés, ça peut mieux préserver et l'environnement et même l'animal que d'être végétarien ou végétalien. Donc c'est compliqué. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans la permaculture. Je suis quelqu'un d'assez intellectuel à la base. Et en fait, c'est pas parce que je me suis retroussé les manches et j'ai travaillé au potager que j'ai perdu cette réflexion. Au contraire, on est tout le temps en train de réfléchir à la complexité des systèmes qu'on va mettre en place et ce qui est le plus proche de l'éthique de la permaculture. Ouais. Et d'ailleurs, alors j'ai pas envie de tout dévoiler parce que dans les modules qui s'ouvrent demain, il y a notamment un reportage de 8 minutes sur votre lieu. Donc vous pourrez voilà, vraiment visiter complètement la maison et les différentes zones, puisque c'est dans cette présentation des secteurs et des zones, tout le terrain, toute la propriété de Claire et Gildas. Et par rapport à ça, justement, est-ce que en termes de superficie, moi j'ai l'impression qu'il faut avoir énormément de terrain pour avoir des animaux. Et j'ai vu, bon, maintenant je connais un peu, mais est-ce que comment vous y êtes pris pour mettre en place ça? Est-ce que ça a été par tâtonnement? Et est-ce qu'elles ont trouvé leur place facilement? J'imagine, oui. Ah, tu parlais de la forêt, est-ce qu'il y a aussi des animaux sauvages? Est-ce vous avez un potager? Comment ça peut trouver sa place? Tu parlais qu'il y avait quatre parcelles que vous faisiez, sur lesquelles vous faites tourner. Ouais. Et comment ça s'intègre tout ça avec le potager, avec les animaux sauvages?
Alors déjà, on s'est installé en automne 2013, donc ça a pris du temps avant d'installer des brebis. On a eu nos premières brebis, je crois, en 2015. Donc on a fait 2 ans sans. 2 ans, donc en fait, on ne s'est pas occupé de la prairie. Hein. On a laissé les herbes hautes monter, ce qu'on laisse encore beaucoup dans beaucoup d'endroits où les brebis ne vont pas. Et ça aussi, c'est un grand changement hein, de laisser les herbes pousser et ne pas les tondre. C'est un grand changement même sur le plan personnel, d'accepter de voir les herbes pousser. Alors, comment on a fait ? En fait, on a appliqué assez, là aussi avec de la discipline quand même, la méthodologie de permaculture. On a vraiment observé avant de faire un peu la moindre action sur ce terrain. Donc c'est assez rigolo de nous voir observer, notamment avec nos kawés, parce qu'on est sortis souvent en temps de pluie. C'est là où on observe des choses vraiment intéressantes, comment l'eau ruisselle, etc. On allait voir un peu tous les arbres de la parcelle, essayer d'apprendre à les connaître, parce que moi, en tout cas, à la base, je ne connais pas bien les arbres. Donc, savoir qui ils sont, quel âge ils ont peut-être, pourquoi ils sont là, comment ils vont. Et on a vraiment fait la stratégie de Bill Mollison, commencer par le pas de la porte. Enfin, même commencer par la maison. Donc, en fait, la première année, on s'est surtout concentré sur la rénovation écologique de la maison. Donc on a mis des bottes de paille tout autour de la maison, on a mis de la ouate de cellulose au plafond, on a refait toutes les menuiseries, etc. Et ensuite on s'est occupé du pas de la porte, donc c'est-à-dire du potager. On a installé les 2 potagers, donc un côté sud, un côté nord, pour justement pas mettre tous les œufs dans le même panier. Hein. C'est le principe de la diversité de David Holmgren. Donc avoir un potager qui est un petit peu dans des conditions un peu... aride en cas de sécheresse, ça c'est le potager côté nord, voilà. Bizarrement c'est le potager qui est côté nord de la maison qui a le plus de soleil, et le potager qui est côté sud de la maison, donc côté forêt, qui a beaucoup moins de soleil, lui il est plus dans un climat assez humide, assez semi-ombragé. Donc voilà, donc on a fait la stratégie du pas de la porte, on observe, on commence à structurer les choses à partir de la maison et de ce qui est le plus proche de la maison, et puis on commence à étendre. C'est pour ça que les brebis elles arrivent finalement qu'en année 3 voire 4. Quand on commence à avoir mis en place, élément très important, les cheminements. Alors, c'était marrant d'ailleurs, parce qu'on avait mis en place les cheminements, et après les brebis ont mis en place d'autres cheminements. Mais en tout cas, ça c'était essentiel, et c'est peut-être une des choses sur lesquelles on a travaillé quasiment en premier, c'est les cheminements sur le terrain, parce que le sol, c'est hyper précieux. En ce moment, quand je sors dehors pour vider le seau de compost ou aller aux toilettes, hein, parce que nos toilettes sèches sont d'extérieur, quand je mets mes pieds par terre, je sens que le sol, je suis en train de le tasser. Donc ça va, c'est sur nos cheminements, nous, on n'est pas en train de tasser le potager, on n'y va pas, sauf pour récolter, on ne va pas non plus sur la prairie. Mais donc du coup, mettre les cheminements, c'est essentiel, sinon on est en train d'abîmer tout notre sol en fait. Donc on a mis en place les cheminements, on a mis en place les potagers, et ensuite les brebis sont arrivées une fois qu'on y voyait clair sur comment on allait gérer le reste de l'espace. Voilà, une réponse peut-être un peu longue, mais on pourrait être encore bien plus long sur le tout processus. C'est clair. Alors, on a... Normalement, les sons étaient déjà coupés. Cyril, le son de ton ordinateur, il est coupé, j'imagine. Oui, c'est bon. Ouais. Voilà, donc j'espère que ça va aller mieux pour vous et que l'écho que vous avez voilà, partira. C'est ça qui t'a un peu perturbé. Ça a été arrangé. Ça a été arrangé, bon, bah, super. Et donc voilà, bon, on a les premières questions qui arrivent. Donc il y a Florian qui te demande depuis combien de temps tu es dans la perma ? Depuis 8 ans. Alors complètement par hasard. Déjà, bonsoir Florian. 8 ans, donc là, pour que tu saches quel âge j'ai 35 ans bientôt. Donc je l'ai découvert à 27 ans, donc assez tard. Moi je suis pas du tout écolo à la base, je suis issue d'une famille militante mais pas du tout écolo. Je t'avoue que les écolos, j'avais pas une très bonne opinion d'eux avant de découvrir tout ça. Et c'est à l'issue d'un voyage, au moment où je prenais encore l'avion, où j'ai fait du woofing, je pense que beaucoup connaissent, donc du bénévolat dans des fermes en agriculture bio ou sur des écolieux en fait, inspirés de la permaculture. Donc je suis allée en Australie, hein, le lieu de découverte de la permaculture, et voilà, vraiment par hasard. Et c'est là que j'ai découvert la permaculture. Donc vraiment, il y a 8 ans, et mon premier contact était vraiment génial, parce qu'en fait, c'était avec des gens qui vivaient la permaculture. J'ai pas du tout découvert la permaculture par des livres. J'ai découvert la permaculture en vivant chez des gens qui la pratiquent, qui la vivent. Et ça, je crois que c'est fondateur. Je crois que ça m'a permis 2 choses. L'une, c'est de comprendre qu'il y a d'autres modes de vie, en fait, très différents du mien à l'époque, qui sont possibles et qui me plaisaient beaucoup, dans lesquels j'étais très très bien. Et aussi, je crois que c'est fondamental, une énorme confiance que si dans ma transition je me plante, il y a des lieux où je peux aller proposer mon aide
et ils me nourrissent et ils me logent. Et ça, pour passer le cap, c'était énorme. C'est-à-dire, voilà, j'allais changer de boulot, donc il y a toujours un petit peu d'incertitude. Mais de savoir qu'il y avait tous ces lieux dans lesquels j'ai travaillé, et aussi demain, je tapais à la porte et je disais, écoutez, là, je peux venir vous aider, est-ce que vous pouvez me loger et me nourrir? Ils allaient dire OK. Et donc, il y a plein de lieux comme ça. Et aussi en France, nous, on a envie de devenir aussi un lieu comme ça parce que ça aide vraiment à faire la transition. Mmh. Bah, justement, tu commences à aborder la question. J'ai Chacha qui nous demande, enfin, qui te demande, comment tu as fait, toi, ta transition financièrement? Comment j'ai fait ma transition financièrement? Alors, déjà en douceur, clairement. Alors, moi, je ne suis pas très consommatrice à la base. Hein. Je suis plutôt la nana qui ne prend pas un deuxième café parce qu'elle fait tout le temps des économies. Donc déjà, la permaculture, c'était plus facile pour moi que pour quelqu'un qui est dépensier. Mais quand même, j'aimais bien faire du shopping, etc. Donc financièrement, en fait, la permaculture, moi, ça, je trouve ça, déjà, ça permet de faire carrément des économies. Parce que quand on n'achète plus vraiment de fringues ou alors vraiment d'occases, la maison, on la meublée qu'avec de l'occase ou des trucs qu'on a récupérés. Donc en fait, déjà, ça permet de faire des économies. Et ensuite, j'ai pas lâché mon boulot tout de suite. Et pas que pour des raisons financières aussi, parce qu'en fait, j'avais pas envie de renier complètement ma vie précédente. J'avais plutôt envie de faire le lien. Voilà, la permaculture, c'est vraiment les interactions positives. Et pour moi, c'est aussi les interactions positives entre le passé et le présent, et puis son propre futur. Je vois pas pourquoi on devrait tout d'un coup nier qui on était ou ses compétences. Et donc j'ai pas laissé tomber mon boulot tout de suite. En fait, moi, à la base, je suis fonctionnaire territoriale, je fais Sciences Po Paris, etc. Et j'ai déjà cherché un poste dans l'environnement en tant que fonctionnaire. Donc, qui cherche, trouve. Je trouve que c'est souvent ce qui se passe quand on rentre en transition, c'est plutôt chouette. Donc, j'ai trouvé un poste dans l'environnement, donc à la mairie de Paris. Donc, j'ai travaillé... sur le plan climat, etc., la qualité de l'air, la biodiversité, pendant 5 ans à la mairie de Paris. Et puis, les 2 dernières années de travail à la mairie de Paris, ou 3 dernières années, je me suis mise à temps partiel. Donc là, effectivement, réduction de salaire, mais j'avais commencé à opérer la transition dans le reste de ma vie. Donc en fait, il n'y avait pas de souci budgétaire. On s'est installé sur une ferme inspirée de la permaculture chez Freda, que je remercie infiniment de nous avoir accueillis dans la Sarthe. Donc là, c'était... une étape pour complètement ensuite nous-mêmes déménager à la campagne ici à Lusseau-sur-Loire et changer de métier. Donc changer de métier, ça a été... et ça a un lien avec ta question, Chacha, hein, sur le côté financier. J'ai d'abord fait beaucoup de bénévolat parce que je sentais bien que j'avais des connaissances et des compétences à acquérir. Donc j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je trouve que c'est un super moyen pour apprendre des choses, donc dans des associations de permaculture, de transition en Île-de-France. Pardon. Et puis, en fait, avec toutes ces compétences, à un moment, j'ai trouvé un boulot chez Ferme d'Avenir, en l'occurrence, qui s'est créé donc, juste à côté de là où on habite. Donc, le jour où Ferme d'Avenir a été créée, l'association, avec Maxime de Rostolan, on s'est installé à 8 km du siège de l'association. Et donc, on a eu la chance de pouvoir opérer notre transition de lieu de vie en même temps que notre transition professionnelle totale, j'ai envie de dire. Et dernier point, la transition financière, c'est aussi créer son activité. Et ça, moi, je ne suis pas du tout entrepreneur à la base. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Mais en fait, c'est assez chouette d'entreprendre. Et il y a beaucoup de métiers aujourd'hui à créer. C'est ce qu'on appelle les métiers de la transition. Donc voilà. Donc moi, j'ai créé, avec Gilles Lass, on a créé Horizon Permaculture. Et on propose des formations. Mais on propose aussi beaucoup des ateliers pratiques, etc. Voilà, ça permet aussi de s'en sortir financièrement. Voilà. Super. Du coup, j'ai envie, pour continuer justement sur ces réflexions, je pense que Chacha, t'as également répondu à comment passer d'un boulot en ville à une vie en campagne. Je pense que cette question pour toi a été répondue. Et donc là, on a quelques questions techniques qui nous sont arrivées. Okay. Permaculture et autosuffisance doivent-elles être combinées? Alors, oui et non. Ou l'éternelle réponse en permaculture, ça dépend. Non, c'est pas tout à fait vrai. Autosuffisance. Alors, tout dépend comment on comprend le terme. Si c'est être autonome en tout, c'est-à-dire produire sa propre nourriture, sa propre énergie, son chauffage, son électricité, pouvoir récupérer son eau pour soi, clairement non. Pourquoi ? Parce que, et d'une, la permaculture, c'est un projet collectif.
parce qu'on s'en sortira jamais seul. Hein. Si vous êtes tout seul dans votre lieu à vous en sortir, mais que partout à côté, c'est un peu la galère, bah, voilà, ça n'aurait pas vraiment été une solution. Et ensuite, parce qu'en fait, chaque lieu a ses propres atouts et ses propres inconvénients. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a beaucoup de forêts, mais on a moins de soleil que sur d'autres lieux où ils auraient beaucoup de soleil, et peut-être moins d'arbres ou une zone moins ombragée. Donc nous, on va plutôt produire du bois d'œuvre, du bois de chauffage, et on pourrait même partager ça avec des voisins, troquer ça avec des voisins qui, eux, auraient une parcelle où il y aurait, par exemple, des étangs, donc ils pourraient peut-être faire de la pisciculture, ou avoir plus facilement des canards que nous, ou alors ils auraient une super zone ensoleillée où ils pourraient faire des céréales, et donc on pourrait échanger voilà, nourriture contre bois de chauffage. Donc chaque lieu, à vouloir être autosuffisant en tout, ça risque de manquer d'efficacité, déjà. Et ensuite, être autosuffisant, ça signifierait quand même avoir une bien moins grande diversité de produits. Donc non, autosuffisant, non. Par contre, tendre vers l'autosuffisance, oui. Parce qu'on a besoin de retrouver beaucoup de savoir-faire. Et que les savoir-faire, ils s'acquièrent en faisant. Et que moi, en cultivant mon potager, j'apprends beaucoup. En faisant la récupération d'eau, j'apprends beaucoup. En installant des panneaux solaires, j'apprends beaucoup. En installant une douche solaire un petit peu low-tech, j'apprends beaucoup. En tannant la peau de mouton, j'apprends beaucoup. En construisant, en bricolant les toilettes sèches, etc. Donc on apprend en faisant. Je vois arriver les questions là, donc du coup j'ai un peu perdu le fil. Donc l'autosuffisance, non. Tendre vers l'autosuffisance, oui, parce que c'est ça qui fera de toi, de vous, un permaculteur qui aura une vision un peu globale de tous les savoirs et compétences qu'il faut connaître. Mais surtout, mettez-vous en lien avec des gens qui ont d'autres compétences autour de vous et aidez-vous, rendez-vous service. C'est beaucoup ça aussi, la permaculture. Ben, merci. Mais bonne question. Ouais. Pas facile. Pas facile du tout. Alors, ben, écoute, on va continuer sur les bonnes questions. Il y a Norbert qui te demande, voilà, quel est ton meilleur conseil ? Donc attention. Un Norbert. Voilà, pour transformer un terrain déjà construit et habité suivant les principes de la permaculture. Bon, et il m'est arrivé tout de suite, Norbert, donc je te donne celui que j'ai eu en tête, ne pas être pressé. Accepter que ça prend du temps. Donc tout le contraire de ce que moi je fais. C'est-à-dire que moi je suis très impatiente. J'ai de là ce qui est pas loin de moi qui fait un petit sourire. J'ai envie d'aller toujours plus vite parce que bah, je crois aussi que voilà, comme toi, Norbert et d'autres, on sent un peu l'urgence d'y aller. Mais franchement, accepter qu'en fait le vivant a du temps, donc de faire pousser un arbre, un potager, etc., ça prend du temps, et que même nous-mêmes, en tant que vivants, on a besoin de temps pour changer, et que le design, ça prend vraiment du temps. Nous, il y a des choses ici, ça fait 4-5 ans qu'on y réfléchit, on n'a toujours pas déterminé, par exemple, l'emplacement de tous les arbres fruitiers. Voilà. Donc, il faut accepter qu'il y a un temps incompressible, qui est celui aussi de ne pas te faire mal, qui est aussi celui de la nature et du vivant, qui va t'apprendre beaucoup de choses. Donc mon conseil, c'est prendre le temps et quand tu fais quelque chose, observer comment ça évolue. Ne jamais faire quelque chose et passer tout de suite à autre chose. Prends le temps d'observer aussi comment ça évolue et apprends de ça. Voilà. C'était un seul conseil. Et là, donc, ouais, du coup, on a deux questions qui nous arrivent justement pour étendre un peu par rapport au lieu. La première de Serge, donc, quel est ton rapport avec vos voisins, avec les élus ? Et une autre de Fatima qui est aussi d'un voisinage, mais un tout autre voisinage, c'est peut-on pratiquer la perma lorsqu'on est voisin de champs céréaliers ? Donc je suppose de champs conventionnels. Bien sûr, ouais, ouais. Alors Serge, le lien avec nos voisins. Écoute, en tout cas, nous on a voulu avoir des voisins déjà, donc pas être au bout d'un chemin de 300 mètres, voilà. Donc tu vois, j'ai un voisin, je vois pas, il fait nuit, mais qui est à, bah, avec qui on, enfin voilà, le potager il est peut-être à 50 mètres de notre voisin, on a plein de voisins en face de chez nous, enfin voilà, donc ça se passe super bien. Dès qu'on est arrivé, on allait les voir quasiment tous pour se présenter, et en fait pendant un an ou deux on n'a pas dû prononcer le mot écologie quasiment avec nos voisins. On s'est intéressé à ce qu'ils faisaient eux, on a accueilli ce qu'ils nous offraient. Moi j'ai découvert quand même quelque chose à la campagne, en tout cas la campagne là où j'habite. C'est une vraie générosité des gens et une vraie entraîne. C'est-à-dire que quand on voit, enfin, quand ils voient que nous, on est en train de faire des travaux, y a une forme d'un petit peu de respect déjà qui se crée. Et puis aussi d'aide. C'est-à-dire qu'à la campagne, on aide celui qui fait de ses mains. Ça, c'est clairement un truc que j'observe. Donc, on a accueilli les services et on a essayé aussi à chaque fois de les rendre bien. On est aussi allé voilà, à toutes les petites fêtes du village, etc. Mais donc, avec les voisins, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, on s'entend bien avec nos voisins. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est écolo. Notre voisin d'ailleurs
Il y en a un de nos voisins qui travaille dans la vigne en conventionnel. Et on partage beaucoup sur le potager avec lui. Il nous apprend beaucoup de choses sur le potager. Voilà. Donc, c'est très enrichissant. Les élus, écoute, nous, on est un petit village de 750 habitants. Donc, on connaît à peu près tous les élus. On travaille avec eux parce qu'on est engagé dans un centre de transition environnementale et sociale, Pôle 21. Donc, on fait ça quand même de concert avec les élus. Et on travaille aussi avec la communauté de communes. Pardon. On participe au plan climat, par exemple, consultation citoyenne, etc. La question de Yasmina, c'est ça ? Oui. Ensuite, sur quand tu as des champs céréaliers. Alors oui, ce qui est le cas quand même dans beaucoup d'endroits. Comment tu fais ? Moi, je dirais déjà, tu respires. Voilà ce que je viens de faire. Tu respires. C'est le cas de la majorité de la France. Donc ça, c'est un constat, une observation. Donc tu peux observer ça déjà calmement. Aller voir ces agriculteurs au maximum et t'intéresser à ce qu'ils font. Parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre. Enfin, ils ont évidemment des choses à nous apprendre. Et il y a aussi une histoire qui fait qu'ils sont là. Et en fait, peut-être leur proposer un coup de main. Ou faire des choses chez toi. Et puis peut-être commencer à créer des liens. Je sais pas, moi, leur dire, voilà... si une année vous avez un peu trop de foin, moi je peux peut-être vous le prendre pour mes animaux. Enfin voilà, montrer que tu valorises aussi ce qu'il fait en tant qu'agriculteur. Après, si c'est quelqu'un de vraiment pas respectueux qui met du pesticide quand il y a du vent, c'est peut-être pas la peine d'être sympa avec lui. À ce moment-là, il faut mettre des haies et se protéger vraiment. Enfin, dans tous les cas, mettre des haies quand même et se protéger des pesticides par le vent, ça me paraît quand même une bonne chose. Mais avant tout, c'est, moi je dirais... que tout ce que tu fais chez toi soit visible de l'extérieur. Nous, on a une route qui passe juste à côté de chez nous. On a décidé de couper la haie. On a laissé un petit peu quand même pour cacher un petit peu la vue des voitures. Mais on laisse les voisins regarder chez nous ce qui se passe. On n'a pas mis de barrière ou quoi. Et ça, c'est important. Parce que plus que d'aller voir les personnes et leur dire « c'est pas bien ce que vous faites » ou voilà, ben c'est plutôt montrer ce qu'on fait nous, montrer que finalement, on vit bien. Et eux, ils viennent par curiosité. Ils viennent. Donc, les laisser venir. S'intéresser à ce qu'ils font et les laisser venir. Et j'ai envie de dire, il y a, dans les modules qui vont s'ouvrir, il y a justement une vidéo de Warren qui va répondre à ça, et David Holmgren aussi. Oui. Donc on a eu la chance d'interviewer ensemble d'ailleurs. Oui. Et qui, voilà, c'est une vidéo aussi qu'on va vous proposer en bonus dans les modules qui s'ouvrent. Oui. Et David répondra aussi à sa manière à cette question. Donc là, j'ai envie de te proposer deux questions techniques. Mmh. De Sev. J'imagine c'est la question, c'est est-ce que vous avez mis des bottes de paille autour de la maison pour l'isolation? Oui, tout à fait. Ouais. Donc des bottes de paille classiques, les dimensions 80 sur 35, voilà à peu près 10 kilos, voilà de la petite botte, mais de la botte conçue spécialement pour l'éco-construction, donc chez un agriculteur. Qui avait suivi une petite formation d'un ou deux jours sur comment faire des bottes de paille à la bonne densité, etc. Donc oui, donc, si tu veux, on a refait des fondations. Donc c'est une maison, notre maison, c'est une maison en parpaing, donc toute bête, hein, des années 70, avec des petits panneaux bois aussi ridicules, là, vraiment pas isolants. Donc on a refait des fondations qu'on a isolées avec du liège expansé. Et puis on a ensuite fait toute une structure en poteaux Douglas ou poteaux chêne, pour les menuiseries, les poteaux chêne. Et on a monté comme ça des rangs de bottes de paille. On a fait pas mal de documents dessus sur notre site internet Horizon Permaculture. Voilà, si tu veux voir un peu le détail de ce montage. Mmh. Et c'est super. Un chantier participatif, un grand moment. Ouais. Et du coup, ça me donne envie de rebondir. Alors, c'est assez différent comme question, mais de Dominique qui nous demande quel est le rapport entre la permaculture et la simplicité volontaire ? D'un point de vue de pays riche, il est évident le lien, il est énorme. Après, j'essaie de plus en plus de me mettre à la place aussi de plus de la moitié des habitants de la planète qui ne vivent pas dans notre richesse. Et je pense que si on leur demandait le lien entre permaculture et simplicité volontaire, je pense que ça leur parlerait beaucoup moins comme question. Mais nous, oui, évidemment, parce qu'en fait, on est dans un mode de vie exubérant en termes de consommation, mais peut-être même en termes de mode de vie, de tout ce qu'on fait. Un peu de notre agitation. Enfin, voilà, moi, c'est mon sentiment. En tout cas, c'est comme ça que j'étais un petit peu avant. Hein. Je me souviens, je mesurais la qualité de ma vie, mais je vous jure, hein, alors je me livre un peu, mais je mesurais la qualité de ma vie à la manière dont mon agenda était rempli. C'est-à-dire que je notais toutes les soirées que je faisais, donc ça, je vous dis ça, quand j'avais entre 20 et,
et 25 ans, hein, petite minette. Je notais toutes les soirées que je faisais avec les copains, le ciné, machin. Et puis quand je regardais mon agenda le mois précédent, je me disais, waouh, j'ai fait tout ça. Ah, j'ai une bonne qualité de vie, quoi. Ça me remplit. Donc oui, donc, la permaculture, c'est clairement une simplicité volontaire. Volontaire. Important. Elle est volontaire. Pour le moment, elle peut encore être volontaire. Demain, si elle n'est pas volontaire, elle sera subie. Donc justement, on a la chance qu'on ait de pouvoir aller vers une simplicité volontaire. Et pour moi, cette simplicité volontaire, elle vient quand même parce qu'on va suivre l'éthique de la permaculture qui devient, pour moi, qui devient en fait une évidence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux prendre une décision sur ce que je fais même dans ma journée, j'ai toujours l'éthique de la perma. Vous savez, comme le petit ange, là, où je sais pas, qui dit « souviens-toi, respect de l'humain » ou « dans Tintin », on dit ça des fois. Et du coup, ça m'aide à faire des choix et ça m'aide toujours à faire le choix de la simplicité. Et on s'est fixé aussi quelques règles toutes simples. Quand on a deux événements, par exemple, collectifs autour de l'environnement, un qui est dans notre village et un qui est à Amboise, qui est à 4 km, on privilégie toujours celui qui est près de chez nous. Donc en fait, en se mettant des petites règles comme ça, avec l'éthique de la permaculture, on en arrive à une simplicité et qui est un enrichissement personnel fois 10 000, enfin je sais pas, exponentiel comme on veut, quoi, mais... Il n'y a pas de lien, pour moi en tout cas, entre la simplicité volontaire et l'enrichissement que j'en retire, quoi. Au contraire, plus je suis dans la simplicité, plus mon enrichissement, il explose. Et ça, c'est... Je trouve qu'il faut le vivre pour le croire. Je ne suis pas sûre que quelqu'un me l'aurait dit, j'aurais trouvé ça sympa, mais voilà. Donc, faut tenter. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi découvert ça un peu, cette... Il y a vraiment de la joie, en fait. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait que cette simplicité, moi, il m'a fallu quelques années, mais j'ai vraiment pas la sensation que c'est une rigueur que je m'impose ou une autodiscipline, mais que finalement, plus ça va et plus ça vient naturellement vers un... Quand je suis vraiment finalement mes envies, de plus en plus, ça m'amène à cette simplicité et à une joie simple, en fait. J'ai vraiment cette impression... d'être au contact de la nature, s'occuper d'un jardin. En ce moment, je suis dans la construction d'une mare et pourtant, je trouve de la joie juste à creuser. Si on m'avait dit ça il y a quelques années. Ouais, trouver de la joie dans un geste répétitif, c'est marrant, mais exactement, absolument. Et la simplicité volontaire, je réfléchissais là en t'écoutant, Yann, à notre alimentation. Quand on va chez des amis, alors c'est quand même super agréable, ils font des trucs assez sophistiqués, mais... C'est vrai que si on réfléchit aux ingrédients, moi j'ai toujours en tête que c'est souvent des ingrédients qui ne me font pas forcément du bien à mon corps, ou en tout cas qui n'ont pas forcément fait du bien à la terre en étant produits, parce que c'est parfois des produits très transformés, sur-emballés, je ne vais pas citer des trucs, vous allez vous dire mince, il faut qu'on se fasse de crème fraîche parce que c'est emballé dans du plastique, c'est pas drôle. Vous déciderez. Mais en tout cas, la simplicité volontaire, je pense qu'on la mise beaucoup dans notre assiette quand même. Donc nos plats sont probablement plus simples qu'avant et ils ont quand même une saveur. On a servi des petits choux de Bruxelles ce soir à nos convives, c'était quand même super simple, des choux de Bruxelles à l'eau. Et bien ils se sont resservis, nos copains Cyril et Yann, et ils avaient quand même une sacrée belle saveur. Quoi. C'est donc, pas juste par politesse. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Et justement, donc. On vous cite souvent Claire et Gildas, et donc là il y a Maud qui nous demande, enfin qui vous demande plutôt, la perma est a priori une histoire de famille chez vous. Étiez-vous rapidement d'accord sur cette transition? Et moi j'ai envie d'ajouter aussi sur le timing. Est-ce que tous les deux ça a été vraiment un chemin que vous avez mené ensemble de front? Est-ce que parfois vous aviez le sentiment que l'un était plus avancé que l'autre? Alors Gildas, lui, il est issu d'une famille d'écolos, donc il était, et quand je l'ai rencontré, il était dans une période où il en avait un petit peu marre, on va dire, du militantisme politique qui était beaucoup basé sur être contre et qui avait, je crois, besoin d'une manière de développer sa pensée et son mode de vie sur une ouverture pour quelque chose, quoi, pour construire quelque chose. Et donc, je l'ai rencontré au moment où j'ai découvert la permaculture, donc on est allés tous les deux aux rencontres européenne de la permaculture en Belgique dès qu'on s'est rencontrés. Donc en fait, on a un peu plongé dans le bain de la permaculture ensemble. Et c'est vrai qu'au niveau du rythme, j'ai quand même l'impression que ça s'est toujours fait assez naturellement sur le même rythme, lui et moi. Après, c'est des heures et des heures de discussion et d'échange. Mais vraiment, pour bâtir ce chemin commun, c'est pas lésiner sur le temps d'échange, comprendre... où en est l'autre de ses réflexions, qu'est-ce qui est important pour lui,
Oui, des fois, moi, j'accepte de freiner un petit peu ou d'accélérer sur d'autres choses parce que Gildas me dit que, ben voilà, il a envie de mettre plutôt l'accent là-dessus ou là-dessus. Mais tous les ans, on se fait une réflexion sur nos priorités pour l'année, notamment en termes d'aménagement permaculturel du lieu, mais aussi de nos vies, de comment on œuvre à la transition de la société. Donc, en fonction des nouveaux éléments qu'on a aussi chaque année, on essaie de réévaluer où sont nos priorités. Et puis, on a une journée toutes les semaines, donc le vendredi, où on travaille sur le design du terrain. Donc ça, on se l'est noté sur l'agenda, c'est incompressible. On ne pourrait pas prendre un rendez-vous avec moi ces jours-là. Donc voilà, on arrive à avancer ensemble parce qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Ça permet quand même de bien se comprendre, d'apprendre ensemble. Après, oui, la permaculture, chez nous, c'est clairement une histoire familiale, carrément. Et amicale, vraiment, aussi. Et qui commence à être familiale. Avec la famille, je veux dire, un peu plus élargie. Et justement, là, Nadia qui te demande, quels sont vos projets actuels sur votre site ? Trois fois rien, Nadia. Tu veux vraiment que je te fasse la liste ? Alors, pour cette année, pour le lieu, la liste est tellement longue que tu vois, je l'oublie. On aimerait bien installer les panneaux solaires quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs qui fonctionnent encore un petit peu à l'électricité chez nous, et donc pouvoir avoir un petit peu d'autonomie électrique, ça paraît important. On va développer les plantations d'arbres fruitiers, parce qu'on n'en a pas encore mis énormément sur le terrain. On va mettre en place la cuve récupération d'eau, donc elle a été mise en place il y a 2 mois, maintenant il faut bien la faire fonctionner, notamment installer la pompe manuelle, parce qu'on ne veut pas avoir une seule pompe électrique, donc là on va mettre en place la pompe manuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet ? Peut-être finaliser les derniers ponts thermiques qu'on a dans la maison. On a 2 petits endroits, il faut qu'on rajoute un petit peu d'isolant. Et finir surtout le design de la parcelle nord. Donc vous verrez dans le film à partir de demain, c'est ça. La parcelle nord, elle est face route, face publique. Et on veut la designer pour qu'elle puisse être un petit peu gérée par un collectif. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le grand projet de l'année. Sinon, en fait, je t'avoue qu'on est déjà très occupé par juste le fonctionnement quotidien du lieu, donc s'occuper évidemment des animaux, s'occuper des plantations, s'occuper du bois qu'il faut régulièrement couper et ranger, des menus réparations, et puis de tous les projets du village, de ferme d'avenir, d'horizon permaculture. Donc voilà, donc le lieu est dans un écosystème que nous aussi on est en train de bâtir, mais les priorités, écoute, c'est ça, c'est l'énergie solaire, enfin l'électricité solaire, excuse-moi, et puis un petit peu d'isolation thermique de la maison. Et oui, pardon, au niveau du potager, on s'est fixé des objectifs aussi pour cette année, c'est doubler notre récolte de pommes de terre, doubler notre récolte de fèves, de haricots, en gros mettre l'accent sur des calories stockables et notamment des protéines. Voilà, ça c'est notre grand objectif au niveau du potager. Ceux qui nous ont eu en formation, ils doivent bien rigoler là parce qu'ils nous reconnaissent bien. Et donc on a décidé sur le potager de vraiment mettre l'accent sur la production de denrées caloriques et riches en protéines et qui sont stockables. Et les noix aussi. Et moi, j'ai aussi le projet d'avoir une exploitation de noyers. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Mais c'est pas pour 2018, par contre. Ah. C'est bon, je suis rassurée. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, le reste, ça passe. Quoi. C'est ça, le reste, ça va. Ouais. Et du coup, pour continuer un peu là-dessus, Marie-Alix qui nous demande donc, quelle surface minimum pour être autosuffisant et potentiellement avoir des surplus. Alors, j'imagine la première réponse, ça va être ça dépend. Quelle autosuffisance ? C'est sûr, ouais. En même temps, on avait déjà, en début de webinaire, parlé un peu de pas nécessairement chercher l'autosuffisance, voilà, tendre vers. Et donc, effectivement, quelle surface minimum ? Je suppose que ça parle d'alimentation et de nourriture. Alors, pour la nourriture, pour des légumes, c'est pas grand-chose. Je sais pas, 200 mètres carrés pour 2-3 personnes, ça suffit largement pour des légumes. J'ai pas dit pour toute l'alimentation. Pour toute l'alimentation, on va plutôt être à au moins 2000 m² par personne. Mais ça veut dire que tu cultives tes céréales. Donc, a priori, sur 2000 m², tu ne fais pas venir un tracteur. Donc, c'est-à-dire que tu cultives tes céréales à la main. Donc, en fait, là, la question ensuite, ce n'est pas tellement la surface, c'est plutôt le temps qui va être nécessaire. C'est là aussi qu'on voit les limites de la question de l'autosuffisance sur son lieu soi-même. C'est que si on doit tous faire tout, on y passe trop de temps. Alors que si un petit peu on délègue à certains le fait de faire pour plusieurs, eux, ils vont pouvoir utiliser peut-être de la traction animale, etc. Et donc être plus efficace et plus rapide. Mais ça, c'est un petit peu voilà, des surfaces, des superficies pour l'alimentation. Pour les arbres fruitiers, il ne faut pas grand-chose pour être autonome en arbres fruitiers. Donc c'est un verger de 100 m², ça suffit largement pour une famille.
Ensuite, il faut que tu sois autonome en eau potable. Donc là, il faut que tu aies un minimum de surface de toit pour récupérer ton eau, éventuellement, pour faire ton eau potable. Voilà, je ne sais pas bien comment répondre plus que ça à ta question. Ça te donne quelques éléments. Ouais. Après, c'est comme toujours, hein, pour l'eau et l'électricité, c'est réduire ta consommation avant de vouloir être autosuffisant et de produire ce qu'il te faut. Ça, c'est évident. Alors, j'ai envie de... On va continuer, voilà, avec Chat, qui nous demande « J'habite à Paris. Comment choisir l'endroit où m'installer pour me lancer en permaculture ?» Donc là, voilà, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même cas et qui sont justement dans cette transition et avec cette envie d'aller vers un plus de lien avec la nature. Comment choisir son lieu ? Comment choisir mon lieu à Paris ou en dehors de Paris ? Je suppose que c'est en dehors de Paris. Je pense que c'est au contraire. J'habite à Paris, comment choisir l'endroit où m'installer pour me lancer en perma? En fait, tu peux continuer à vivre à Paris. Enfin, y a pas de problème. La permaculture, c'est designer son projet en respectant l'éthique et les principes de la permaculture. La permaculture, c'est pas être autosuffisant. La permaculture, c'est produire de l'abondance et la partager. Si l'abondance que tu peux toi créer n'a rien à voir avec un projet agricole, quand bien même il serait vivrier, il n'y a pas de problème. Si toi, l'abondance que tu as à partager avec les autres, c'est faciliter la création de collectifs, ça peut être d'autres choses. Par contre, être permaculturel, ça peut se faire dans un appartement à Paris en ayant un bilan carbone bas. Donc ça peut passer tout simplement par chauffer moins son appartement et puis engager une réhabilitation de son immeuble avec ses copropriétaires, avec les copropriétaires. Ça peut être installer de la récup d'eau sur son immeuble, c'est tout à fait possible aujourd'hui à Paris dans certains endroits. Ça peut être déjà sur ses vacances, hein, on se l'a dit tout à l'heure, ne pas prendre l'avion, mais prendre le train ou le vélo pour partir en vacances. Enfin, tu peux tout à fait avoir un projet permaculturel sans quitter la ville, et heureusement, parce que comme plus de 90% des Français vivent en ville, heureusement qu'ils peuvent mener un mode de vie permaculturel. Donc peut-être tu peux me préciser ta question. Mais il faut d'abord que tu définisses c'est quoi ton projet. En fait, projet permaculturel, ça veut pas dire grand chose. Tu peux vouloir faire de la peinture en appliquant la permaculture, tu peux vouloir faire du commerce en appliquant les principes de la permaculture. Voilà, en fait, c'est plutôt quel est ton métier, quel est ton projet et comment tu rends ça permaculturel et est-ce que il faut que tu déménages pour que ça devienne permaculturel ou non. Voilà, je le prendrais plutôt dans ce sens-là, quoi. Mais si tu peux préciser, je te répondrai plus précisément avec plaisir. C'est du coup dans le même ordre d'idée, c'est peut-on s'engager en perma tout en changeant de lieu de vie régulièrement? Parce qu'à un moment donné, on est obligé de s'ancrer. Alors, c'est une bonne question. Après, j'ai pas la réponse à tout. J'ai envie de dire, c'est aussi un peu à vous de vous faire votre réponse en fonction de ce que vous allez apprendre sur l'éthique et les principes de la perma. Si le fait de se déplacer souvent permet quand même dans votre vie de respecter l'éthique et les principes de la perma, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ressenti le besoin de m'ancrer sur un territoire pour faire la permaculture parce que je voulais notamment pouvoir observer l'évolution de la nature sur un lieu pour apprendre beaucoup de choses. Mais par exemple, je me rends compte aussi que la plupart des lieux écologiques, hein, puisqu'il y a la permaculture, mais il y a aussi plein d'autres mouvements tout aussi valables, ont besoin de gens qui sont un peu itinérants pour exister. Il y a beaucoup de fermes bio qui fonctionnent parce qu'ils ont des stagiaires ou des personnes qui veulent découvrir des nouveaux lieux qui régulièrement viennent les aider et apporter une nouvelle énergie. Nous, les gens qui sont de passage, qui viennent à nos chantiers participatifs, nous permettent aussi un petit peu de nous aérer l'esprit et de prendre des nouvelles de ce qui se passe un peu à l'extérieur. Donc ça peut être aussi un énorme apport à la permaculture en France que d'être itinérant. Voilà, à toi de construire ton projet permaculturel sur cette itinérance, si tel est ton souhait, en fait. Mais ça peut tout à fait se faire. Ça peut tout à fait se faire. Et là, je vois passer une question qu'on n'a pas encore abordée, qui est celle de l'école ou de l'enseignement. Comment c'est envisagé dans une vie tournée vers la permaculture? Alors, je ne sais pas si on peut répondre de manière absolue, mais en tout cas, vous, comment vous envisagez? Alors, c'est une bonne question. En plus, ayant un enfant en bas âge, on se pose quand même beaucoup la question. Mais même sans ça, même sans avoir d'enfant, on s'est toujours posé la question. Moi, quelque chose qui me paraît important, c'est le respect des rythmes naturels d'une personne humaine, en fait, et particulièrement d'un enfant. Donc déjà, moi, à l'école, je me questionne
sur est-ce qu'un enfant est vraiment adapté à rester dans une pièce fermée, assis. Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt que les enfants, ils aiment jouer et ils aiment beaucoup être dehors. Donc, c'est plutôt sur le respect de la nature humaine, le respect de l'humain. Personnellement, j'ai adoré l'école. Hein, donc, à nouveau, pas de réponse dogmatique là-dessus. Mais peut-être, moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur que les enfants soient beaucoup plus dehors, soient beaucoup plus en lien avec la nature, parce que c'est tout simplement être en lien avec sa propre nature. Et pour respecter l'humain et respecter la nature, respecter la terre, donc les deux premières éthiques de la permaculture, bah, être dehors les premières années de sa vie, ça paraît fondamental. Une autre chose que je me dis, c'est qu'en permaculture, on a besoin, bah, comme Warren Brush le disait dans une de ses dernières vidéos, là pour Noël, c'est on a besoin de généralistes, en tout cas de personnes qui pensent écosystème, qui comprennent la place qu'ils occupent au sein du vivant, comment ça marche l'évolution, comment ça marche le vivant, etc. Et donc, une école qui enseigne ça, qui transmet ça, ou qui permet à l'enfant de le découvrir, ça me paraît essentiel pour qu'il puisse ensuite développer ses qualités qui lui permettent ensuite de respecter le vivant. Et évidemment, faire appel aussi à tout ce qui est empathie et bienveillance chez l'enfant, parce que si on ne lui apprend pas et qu'on ne le met pas dans ce contexte-là, bah lui, il s'imprègne de ce qu'on lui propose. Donc une école ou un environnement où on peut être empathique avec lui et bienveillant, c'est vraiment ce à quoi l'appelle la permaculture, c'est l'exemplarité. Et là, on peut se dire que l'école, il faut qu'elle soit exemplaire avec ce qu'elle veut transmettre. Voilà. Mais à nouveau, je ne peux pas dire, ça veut dire de sortir les enfants du système éducatif, c'est plus compliqué que ça comme question. Mais en tout cas, avoir les enfants plus dehors, ça c'est notamment une première réponse, quoi. Alors du coup, on continue à explorer un peu tous les domaines, justement. Et donc là, on va parler de commerce. Allez. Comment vous gérez la commercialisation de vos produits ? Alors, nous, on n'est pas producteurs de produits. Donc, c'est assez facile de les commercialiser quand on ne les produit pas. On est plutôt, en autoproduction. C'est-à-dire qu'à la limite, quand on a un surplus dans le potager ou la viande, on la partage avec des amis, mais on ne vend pas. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Après, dans mon projet de production de noyers, par exemple, je réfléchis à un système associatif où les gens viendraient plutôt récolter les noix et les transformer dans les huileries artisanales d'à côté. Après, il y a plein de systèmes de commercialisation qui sont justes et éthiques, du circuit court ou du circuit avec petite intermédiation, ça marche tout à fait. Tu as les magasins de producteurs ou magasins de consommateurs coopératifs, il y a plein de manières de commercialiser. J'ai envie de dire localement, par contre, ça c'est quand même une règle de base. Commercialiser localement, c'est pas compliqué, c'est quand même vraiment ce qui fait du sens, quoi. Et d'ailleurs, je peux maintenant vous l'annoncer, un parcours, donc une formation en ligne beaucoup plus courte, va sortir au printemps et ce sera justement sur comment se nourrir sainement et le moins cher possible. Donc je pense qu'il y aura peut-être des réponses là-dedans. On arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Donc du coup, j'ai envie de te proposer, il nous reste encore quelques questions, de le faire en réponse courte pour qu'on puisse. Voilà. Je vais me discipliner. On va faire, voilà, on passe en mode mitraillette. Alors, j'aime pas trop, faut trouver autre chose. Mince, pardon. Alors Et ben voilà, en mode rapide. En mode, voilà. Si quelqu'un trouve une expression. En mode pluie tropicale. Allez, pluie tropicale, mousson, c'est parti. Voilà. Peut-on réaliser ce type de projet sans financement au départ ? Oui. Tu peux développer quand même un petit peu, ouais. Il y a plein d'autres ressources que l'argent. Il y a plein d'autres ressources que l'argent, il y a les compétences de vos amis, il y a vos parents, franchement vos parents, ils adorent vous aider, même s'ils ne comprennent pas votre projet au début en général, enfin, beaucoup de parents aiment bien aider, ou il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont contents de vous aider parce qu'ils n'ont pas osé franchir le pas, et hop, ils auront une opportunité de le faire un petit peu sans trop se mouiller, donc ils adoreront. Donc utilisez les gens avec bienveillance, et puis essayez d'identifier toutes les ressources qu'il y a autour de vous, il y en a plein d'autres que financières, quoi. Et puis sinon, faut demander de l'argent à ses amis. Hein. Conseilles-tu de faire une analyse de sol avant l'achat d'un terrain ? Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, sauf si tu as des doutes sur est-ce que ce sol est vraiment pourri ou plein de pollution, par exemple une ancienne friche industrielle. Alors là, oui, évidemment, parce qu'un sol pollué, c'est compliqué. Mais sinon, non. Enfin, tout dépend ce que tu veux faire, mais sur tous les sols, il y a moyen de faire quelque chose à petite échelle. Si c'est un projet professionnel d'agriculture, là, oui, par contre. S'assurer que c'est quand même un sol pas trop compliqué, si tu veux pouvoir en vivre. Ouais.
Donc là, il y a Chat qui est revenu vers nous et donc elle précise pour le choix du terrain, vers quelle région, quelle taille de terrain, quel environnement, qu'est-ce que je devrais regarder pour choisir ce futur endroit où m'installer. Chat, il faut que tu définisses ton projet. Et je ne peux pas te répondre si tu n'as pas défini. Enfin là, je ne connais pas ton projet. Donc définis ton projet, pense aussi aux gens que tu aimes et peut-être de qui tu n'as pas envie d'être trop loin. Parce que c'est quand même des projets de transition qui n'ont pas que des aspects joyeux, il y a aussi des coups durs. Et dans les coups durs, on est content de pouvoir aller voir ses amis ou sa famille sans avoir à prendre un train et faire 5 heures de train. Donc, en ne connaissant pas ton projet, c'est juste ce que je peux te dire. Regarde aussi le changement climatique, ce que ça va donner. Donc, ne t'installe pas genre dans le sud en disant « j'adore, il fait chaud », parce que le sud, ça va être vraiment très, très, très chaud. Donc, voilà. Regarde un petit peu l'évolution de la pluviométrie, des températures là où tu veux t'installer et regarde dans 50 ans ce que ça donnera. Parce qu'un lieu permaculturel, c'est pour soi. Et c'est pour les générations suivantes. Donc, il va falloir l'adapter aussi au changement climatique. Oh, Yann, ne me regarde pas comme ça. Mais oui, moi j'habite Montpellier, donc... Non, mais ça voilà. Veut pas dire de ne pas aller dans le sud. Mais dans le sud, sachant que ça va se réchauffer, le projet sera un peu différent, voilà, ouais. En anticipant ça. Bon, il y a Véronique qui nous demande « Quelles sont vos méthodes de stockage? Comment se prémunir des ravageurs et des insectes ?» Ouais, alors ça, c'est super important, le stockage. Il faut y penser assez rapidement. Donc les patates, on les stocke dans un sas qui est une pièce non chauffée, mais du coup qui est fermée, et dans une armoire qui est fermée, alors qu'on ouvre régulièrement pour aérer les patates, mais qui est quand même la plupart du temps fermée aux rongeurs. Et puis en fait, pendant 3 ans, on a mis des tapettes anti-souris un peu partout dans la maison, donc là on n'en a quasiment plus. On laisse les chats sauvages aussi s'installer sur le terrain, donc on a de moins en moins de rongeurs. Pour le stockage des ail et des os, pardon, et des oignons, on les met en hauteur. Bon après, les rongeurs ne vont pas vraiment s'attaquer à ça. Les noix et les châtaignes, on n'a pas trop de dégâts, c'est stocké dehors. Et on va mettre en place un stockage en récupérant un vieux frigo et en mettant une grille devant pour stocker notamment des fruits à la cave. Voilà, pour faire rapidement. Alors, il y a Julie qui nous demande comment as-tu appris à bricoler ? Construire à l'aide de matériaux locaux, ouais. Est-ce que tu as suivi des formations, fait appel à des professionnels ? Ouais, j'ai fait appel à Gildas. En fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance avec Gildas, j'avoue. Et notamment, il a construit un bateau avec ses parents étant petit, donc autant vous dire que c'est un super bricoleur, mais vraiment super, super bricoleur. Donc voilà, donc, je ne suis pas très bricoleuse, mais lui, il est très bon bricoleur. Et en plus, il est très pédagogue, donc il apprend. Donc venez faire un chantier participatif avec lui, vous apprendrez super bien à bricoler, notamment comment on utilise une scie, voilà, il y a une vraie technique, et il vous la transmettra. Mais vous trouverez des bricoleurs autour de vous. Après, il faut faire. À un moment, il faut se faire un truc de A à Z. Et là, on apprend. Ça prend du temps, mais on apprend. Ouais. Et j'ai vraiment envie de dire, ouais, ça peut aussi, au départ, commencer par le faire chez les autres. Et commencer par le faire chez les autres, carrément. Voilà. Comme ça, ils ont les outils, aussi... ils ont l'atelier, ils ont tout ça. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous avez des abeilles ? Non, on n'a pas d'abeilles, parce qu'en fait... Enfin, si, pardon. Mais si, on a plein d'abeilles. C'est énorme. Par exemple, on laisse pousser l'herbe sur la moitié de la prairie chez nous. Donc, on a plein de fleurs. Donc, il y a plein d'abeilles et plein d'autres pollinisateurs. Mais on n'a pas de ruche, si telle est la question. Parce que déjà moi, je suis un peu allergique aux abeilles mais vraiment voilà, physiquement je fais des allergies aux piqûres et ensuite il y a tellement de pollinisateurs sauvages et voilà qu'on n'a pas eu l'utilité d'installer des ruches parce qu'on leur donne le couvert et le gîte avec la fourraise on a l'air de le trouver. Alors il en fallait bien une hein. Donc on va parler de but. Ah quand même, on n'en est pas encore eu. Ouais, parfait. Mais celle-là, voilà, je l'ai gardée, mais en même temps, je refuse que ce soit la dernière, donc il y en aura encore une autre après. Okay. Mais pourquoi sur une butte, on finit par une couche de terre, alors que les matériaux à décomposer ont besoin d'oxygène ? Waouh ! Déjà, la terre, ça ne va pas étouffer les matériaux que tu mets en dessous. Un sol, hein, c'est de la terre par-dessus, on va dire, et c'est à 50% du vide. Donc ta terre, à moins de l'écraser avec avec tes pieds et que ça soit mouillé, que ça soit argileux, ça va pas l'étouffer, empêcher l'oxygène de décomposer ce qu'il y a en dessous. Par contre, effectivement, il faut quand même faire attention. Si tu commences à mettre des feuilles fraîches, du carton frais, enfin voilà, de mettre beaucoup beaucoup de couches et tout à la fin de la terre, une grosse couche de terre un peu tassée, là ouais, ça peut mal se décomposer tout en bas de ta butte. Mais en général, on fait pas des buttes de 1 mètre, donc... Non, il n'y a pas vraiment de risque. Mais il faut que ta butte soit bien aérée. Il ne faut pas compresser les couches. Et puis du coup, en général, il faut mettre quand même du branchage, des choses qui vont un peu aérer aussi ton sol à l'intérieur pour que justement l'air circule et l'eau. Mais s'il y a la vie du sol, elle crée des petites galeries et l'oxygène rentre dedans. Enfin, l'air rentre dedans et donc ça... Non, non. La vie se développe. Et
du coup, ce sera la dernière question pour ce soir. Ouais. Quel est votre statut professionnel ? Oui, écoute, moi je suis à la fois salariée de Ferme d'Avenir, à temps partiel, et je suis aussi auto-entrepreneuse, ce qui n'est pas forcément un statut idéal, mais qui me permet de faire un petit peu de formation. Voilà, et sinon je suis aussi bénévole dans pas mal d'associations, c'est pas vraiment un statut, mais voilà. C'est tellement important. Mais c'est tellement, ouais, absolument, c'est tellement important. C'est aussi distribuer le surplus d'énergie qu'on peut avoir et, ouais. et recevoir et partager. Beaucoup. Et recevoir beaucoup. Mais écoute, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ça va, ça s'est bien passé? C'était super, j'ai trouvé les questions très intéressantes. Et... voilà, Cyril, il dit merci aussi. Dit merci quand même. Voilà, il dit merci à tout le monde. Non, vraiment, bravo pour vos questions. Enfin, moi, ça m'apprend beaucoup de choses de répondre à vos questions. J'espère que ça n'a pas choqué, que ça a pu vous apporter des choses. Et merci de suivre ce MOOC. Voilà, merci pour vous et merci pour le vivant. Voilà, ben, un grand merci à toi, un grand merci à vous pour votre accueil. J'ai envie de dire que donc là, il y a 31 000 personnes aujourd'hui qui est en train de suivre le MOOC Conception en permaculture. Vous avez réalisé en fait un équivalent de 45 000 journées de formation à la permaculture en décembre. Donc c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous tenait à cœur de pouvoir diffuser la qualité des... et tout ce qu'a à dire ces intervenants, ces experts. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment inspirant, tous ces échanges. Et donc, continuez. Demain, l'ouverture des derniers modules. On se retrouve en direct le 31 janvier. On sera dans la région parisienne, dans un lieu qui est encore à préciser, mais on parlera de permaculture urbaine, justement. Donc, pour tous ceux qui sont encore en ville, même dans les appartements, on pourra voir précisément peut-être les techniques, comment vraiment démarrer la permaculture de là où on est. Et on se retrouvera également le 15 février à l'Oasis de Serendip avec Antoine Talin et Samuel Bonvoisin. Pour parler de permaculture à nouveau et d'oasis également. Donc voilà un peu pour les prochaines échéances. Voilà, j'arrive plus à parler. Et j'ai envie de rajouter tout ça, c'est réalisé grâce à vous, grâce à votre énergie et aussi grâce à votre soutien financier. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez la valeur de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on fait, je vous encourage à contribuer, soit comme donateur, soit comme cotisant au mouvement Colibri. Vous pouvez donner sur la page colibri-université.org. Il ne me reste plus que vraiment à vous remercier pour votre participation, pour vos questions. C'est vrai que nous, on arrive, on n'a pas du tout de questions, donc c'est grâce à vous aussi qu'on peut créer ces webinaires. Et puis, encore merci Claire. Avec grand plaisir et plein de belles choses pour vous tous. Voilà. À bientôt.